quand il dit qu'il n'est pas violent, il n'est peut-être pas violent physiquement, mais moralement, il est violent parce qu'il parle, il dit n'importe quoi devant moi, avec les enfants et derrière moi aux enfants. De toute façon, c'est important qu'il y ait les enfants. Non. Voilà. Faut que bah. C'est comme ça. Parce que vous parlez français et vous parlez à moi. Là, il me dit de faire attention. Non, je dis tu peux me dire. Je vais l'aider, j'ai raison. Je partais dans un bois de nuit. J'ai tout à vous dire. Bon, monsieur, c'est pas la question. Aujourd'hui, la question, c'est la résidence des enfants. La résidence des enfants, c'est moi. C'est quoi, vous, monsieur? Je tape mes enfants. S'il veut qu'on divorce, le mien. Il me laisse moi mes enfants. Je veux marier vite fait. Femme, mais moi. Pour trouver une femme, c'est pas une femme. Donc, les enfants, vous voulez qu'ils résident chez vous? Oui. Les trois? Les trois. Vous habitez toujours ensemble? Non, ça fait que 5 mois, il habite avec un homme. L'autre maison l'a trouvé, madame. J'ai laissé avec 3 gosses. Abandon de maison conjugale, madame, ça fait 5 mois, c'est 5 mois maintenant. Il est parti, il a trouvé notre loyer. Il manque, il habite chez vous. Elle habite où, madame, alors? Je ne sais pas, vous voulez demander. Madame, elle demande une dernière chose. Oui. Elle demande à ce que si elle avait la résidence, qui n'est pas décidée encore. Mmh. Si elle avait la résidence, elle demande à ce que vous contribuiez financièrement pour les enfants avec 200 euros par mois et par enfant. Oh, madame, je vais prendre ça. Je suis... Vous proposeriez combien si elle avait la résidence il des enfants? Je ne peux pas prendre les enfants parce qu'elle a fait abandonner. Mais... J'en sais rien, je ne sais pas ce qui va être décidé. Il est possible que vous ayez la résidence des enfants, il est aussi possible qu'elle l'ait, j'en sais rien. C'est une hypothèse. Oui. Vous proposez combien pour les enfants? 1 euro. 1 euro par enfant oui, et par mois. Oui. 1 euro. Sérieusement? Sérieusement.